J'ai fait une semaine au Sénégal et j'ai remis en question beaucoup de choses dans ma tête parce qu'on a fait beaucoup de déplacements et parfois je voyais des gars énormes avec une qualité musculaire. Les mecs, ils ont jamais été à la salle. Et ils n'avaient même pas les moyens de manger des protéines. Donc, je pense que Stéphane, il fait partie de ces gens-là. En plus, il est né au Cameroun. Donc, je pense que même en coupant ses protéines, il continuera à prendre du muscle. Ces pays-là, c'est un peu comme au Cameroun. Ils ont des travails très physiques. Moi, je me souviens, parce que je suis né et j'ai grandi au Cameroun. Moi, quand j'étais petit, on allait dans les champs, on faisait des récoltes. On travaillait beaucoup à la main. Et quand tu passais des journées entières, des semaines entières à porter des sacs, à faire des sions dans les champs pour semer des graines, au bout d'un moment, tu te développes, tu deviens robuste. Il faut aussi dire que les sols en Afrique sont riches. Exactement. Ils sont riches, les aliments sont de bonne qualité. Exactement. Mais malgré ça, j'ai été étonné